Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler des nouveaux commandants légendaires avec les premiers rapports qui commencent à tomber. On va pouvoir voir si ça vaut le coup pour les deux commandants. On a des rapports, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, on y retrouve les infos, les guides, les tips, les tutos, les leaks, tout est sur le Discord et même l'ajustement des paris. On s'est bien blindax sur ce premier tour et on va tenter de faire mieux, voire beaucoup mieux sur le deuxième tour. Hein. On en parle dans la vidéo de demain 18h et les ajustements des pronos, c'est le samedi. Alors les deux nouveaux commandants légendaires, hein, on a Sheo Yeong, CY, un deuxième CY hein, qu'on peut obtenir évidemment au MGE. Et dans la roue de la chance, on vient de débloquer Shajar Addur. Alors Shajar, on a pas mal de rapports sur notre ami Sheo Yeong. D'où viennent les rapports puisqu'il n'est pas encore disponible? Eh bien, il faut savoir que nos amis chinois ont les MGE à 15 jours, une semaine de décalage. Donc normalement, à chaque fois, ils les ont la semaine juste avant qu'on puisse les débloquer. Donc depuis samedi, il tourne sur les serveurs chinois et on a quelques rapports qui viennent de sortir. Très intéressant ces rapports, vous allez le voir. On va d'ailleurs commencer par cela. Juste avant cela, je vous parlais de l'event hein, avec du cash prize hein, où on n'avait pas eu de communication officielle. Hein, le défi vidéo rock d'octobre hein, qui est jusqu'au 31 octobre. Eh bien, on vient d'avoir une com officielle hein, il y a 4 heures au moment du record de cette vidéo. Donc, c'est aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo le jeudi, eh bien, on a de nouveau les mêmes choses, mais ils ont laissé les dollars. Ils pourraient faire de la conversion en euros ou mettre un cash prize vraiment plus juste en pricing hein, avec une valeur qui reste fixe. Bon, c'est un détail, mais c'est un très bon event. Hein. Ça sert évidemment énormément à Lilith et à Rock pour faire parler du jeu. Mais si vous vous classez bien, regardez, hein, il y a quand même un bon 30 places à prendre où on peut gagner un petit billet. Ça peut faire plaisir. Retournons donc sur les commandants légendaires. Ces deux nouveaux commandants, vous le voyez, je ne les ai pas encore débloqués à la roue de la chance. Hein. Notre ami, j'ai eu tellement de chance. Shajar Addur, j'ai eu tout simplement zéro sculpture. C'est très simple. Hein. J'ai tourné la roue tous les jours. J'ai fait 2 tirages par jour. Ah non, un seul pour le moment. Je n'ai pas encore fait le deuxième aujourd'hui. Je vais le faire tout de suite. Zéro sculpture, c'est très simple. Voilà ma première sculpture au moment où je fais la vidéo. Je vais en avoir 5 avec le coffre qui en fait 10, justement le 10e tour, c'est plus clair. Je fais 5 tours en plus pour arriver à 11. On va voir, il m'en faut donc 4 au moins, puisque j'en ai 6 maintenant au total avec le coffre. Je suis à 0, je suis à 7, il m'en faut 3 encore, je suis à 0 et ça va être mort, ça va être mort. Donc je ne l'aurai pas débloqué, je n'ai que 7 sculptures malheureusement. Bon, ce que je vais faire c'est, j'ai quand même pas mal de gemmes, 572 000, j'aime retaper un tour x3, 3 sculptures, franchement c'est pas garanti que je les ai parce que le tirage était quand même bien moisi, à moins qu'il m'en donne 8 d'un coup. Mais là je pense que voilà, il m'en manque 2 encore, il va m'en manquer pas grand chose puisqu'il m'en manque une, il va me laisser comme ça pour me faire gratter. Et non, il m'en donne 8, j'en ai eu 10 juste sur ce tirage, 11 sculptures. Regardez ce tirage magnifique, il est tellement rare que j'ai autant de sculptures. Je viens de taper 11 sculptures pour 3600 gemmes, forcément c'est ultra rentable. Il m'en fallait 3, j'en ai eu 11, on est bien, on est nickel. Et donc, je vais pouvoir la débloquer à présent. Regardons tout de même. On vérifie que je puisse la débloquer. Ouais, on est bien, j'en ai bien 18. On est parfait. On va l'invoquer tout de suite. Hein, comme ça, c'est plié. Et on a Shajar Addur à présent. Regardons les premiers rapports en commençant justement par celui du MGE, Sheo Yeong, que j'aurai aussi, hein, puisque j'ai toujours ma place au MGE. Et regardons un triptyque de 3 rapports qui nous viennent tout droit de Chine. Alors l'image est assez dégueulasse, je le reconnais, elle est plutôt floue. Malheureusement, je ne peux pas mieux faire hein, vu la source. On se retrouve donc d'un côté en défense de flag. Hein. On est sur un combat réel, une défense de flag avec Dido et CY d'un côté. Hein. Koe ou Shoe Yeong, hein. CY c'est mieux.
un binôme, il est en secondaire, face à lui une attaque de cavalerie avec Justinian et Nevsky, du lourd plutôt en attaque, hein. On a 2 millions de troupes pour l'attaquant, 1 million presque 650 pour le défenseur, ça a bien renforcé des deux côtés et au final en termes de nombre de morts, eh bien ça se tient, on le voit, même si on prend les blessés graves, hein, avantage à notre ami Justinian et Nevsky, extrêmement étonnant ce premier rapport. Pourquoi je dis avantage à Justinian? C'est très simple, vous faites le nombre de blessés graves plus le nombre de morts. On arrive du côté de Dido et CY à 333 000. Ça fait quand même beaucoup. De l'autre côté, on n'a que 272 000. En termes de perte de puissance, vous allez me dire, ah bah oui, mais celui qui perd le plus de puissance, c'est du côté de Justinian. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, le rapport, selon moi, et pour moi, il est plus favorable à notre ami Justinian. Je vais dire Didon, mais non, pas du tout. Justinian, donc premier avantage sur Justinian. Deuxième rapport, toujours aussi flou, toujours aussi éclaté, hein. Désolé encore une fois. Et donc, regardez, Dido, CY, toujours en défense de flag, et toujours hein, Justinian avec Nevsky, plusieurs rapports. Hein. Et cette fois, ça s'inverse pratiquement. On a tout de même un ratio qui est très favorable, enfin qui est très favorable, qui reste favorable à Justinian et Nevsky, 266 000 d'un côté, mais 279 000 de l'autre. C'est extrêmement serré. Dido CY tient bien la défense du flag. Quand je vois ce rapport-là, je me dis peut-être qu'en termes d'équipement, il y a une grosse différence entre les deux méta qui sont faites parce que l'écart me paraît tout de même assez étonnant et sur le papier, j'aurais dit que Dido et CY gagnaient. En général, c'est comme ça avec Lilith, le nouveau commandant qui sort, hein, a tout de même un léger, si ce n'est un très gros avantage, hein, pour faire les joueurs aller dessus, qu'ils essayent de le débloquer, qu'ils claquent, hein, comme je viens de le faire par exemple, en roue de la chance. Dernier rapport, toujours le même binôme. Et là, en revanche, on est sur un écart en termes de puissance quasi nul, 249 000 quasiment d'un côté, 250 000 de l'autre. En termes de blessés graves et de morts, eh ben 373 000 hein, morts du côté de Justinian, mais en termes de morts, 368 000 du côté de Dido, quasiment équivalent, plus 112 000 blessés graves. Et c'est là qu'il y a une grosse différence, on est à 2 millions des deux côtés. Donc, sur ses premiers rapports, CY me paraît pas être intéressant, mais encore une fois, c'est des tout premiers rapports, on n'a pas toutes les conditions de test, on va attendre parce que sur le papier, il paraît tout de même énorme CY. C'est étonnant que ces rapports ne soient pas très intéressants. N'hésitez pas en commentaire, les amis, à me donner votre avis sur ces rapports et sur ce commandant. Moi, j'ai été extrêmement étonné hein, de voir des rapports qui ne sont pas aussi favorables que ça pour CY au regard de la qualité des skills qu'il a. Franchement, c'est une affaire à suivre. On passe à Shajar, à Dur à présent, et on a 9 rapports, quelque chose comme ça, 9, 8 rapports. On va bien voir, on va recompter ensemble le cas échéant. Premier rapport, on a une meilleure qualité et surtout les tests qui ont été faits sur ces commandants-là, eh bien c'est dans des environnements clos, c'est en open field, c'est à stuff équivalent, à savoir pas de stuff. Donc on est vraiment dans des très bonnes conditions de test. C'est les DC83 qu'on fait ces tests. Merci à eux et on est sur les serveurs évidemment génériques, hein, le serveur monde et non plus le serveur chinois. D'un côté, Alexandre, Jeanne d'Arc. De l'autre côté, Shajar, Aldur avec Nabucco. Nabucodonosor second, 210 000 troupes des deux côtés. On sera toujours sur cette configuration-là, sur les tests. D'un côté, bon, pas de mort, c'est logique, hein, 11 700 morts. De l'autre côté, presque 15 000 morts, blessés graves, pardon. Donc on est plutôt, même on est carrément favorable à Nevsky, Jeanne d'Arc. Premier rapport très décevant. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est Nevsky, c'est de la cavalerie, etc. Ouais, mais c'est quand même décevant, c'est un tout nouveau commandant. J'espérais tout de même mieux d'un archer polyvalence compétence, surtout avec Nabucodonosor, mais il y a mieux que Nabucodonosor, comme on va voir. Deuxième rapport, cette fois, ça tourne directement, hein. On met Shajar avec le dieu de l'open field, d'un côté archer, qu'on peut marier avec tout le monde, Zugliang, énorme binôme, toujours 210 000 des deux côtés, et là, moins 263 000 de puissance perdue
du côté de Nevsky, moins 222,8 000 de puissance. Oh, j'ai eu du mal à le sortir, j'allais vous lâcher un million. 1000 de puissance hein, du côté de 222 800 de puissance hein, du côté de Shajar Al-Dur. Au niveau des blessés graves, 26 300 contre 22 000. Donc là, il n'y a pas photo. On a un écart de l'ordre de 3%. C'est pas ouf. Si on rejoue en boucle hein, ce match, je pense que par moment, c'est notre ami Nevsky qui va gagner. Faut pas se fier à ce premier rapport. Il faudra faire davantage de tests. Là, on n'en a pas beaucoup. Hein. On en a une petite dizaine. Évidemment, je vous referai des vidéos plus poussé dès qu'on va avoir beaucoup plus de rapports, ça commence à peine à sortir. On passe au troisième rapport à présent et on change de binôme puisqu'on fait un Shajar YSG. Alors un petit binôme à l'ancienne, et bien étonnamment, Shajar YSG, et bien ça match, ça gagne. Et Nevsky Jeanne d'Arc se fait encore plus plier qu'avec Zhuguliang. Regardez, on a un moins 296 000 de puissance perdue d'un côté, moins 218 000 seulement du côté de Shajar. En termes de puissance et de nombre de troupes sévèrement blessées, 29 006 contre 21 008. Là, l'écart, il commence à devenir intéressant. Alors, sans être sur des montants, des écarts plutôt, qui sont énormissime, on se retrouve avec un bon 4%, ça commence à être intéressant. Alors 4%, c'est pas une dinguerie, mais ça commence à être pas mal. On a déjà vu plus large, mais Nevsky Jeanne d'Arc, ça envoie quand même du lourd. Et YSG, c'est à l'ancienne, hein. C'est un très vieux commandant, hein. On va voir, on a vu ce que ça donnait avec Zhuguliang, hein. Mais là on est sur des anciens binômes, et si vous montez Shajar, il est probable que vous ayez déjà YSG expertisé. Donc c'est plutôt très bien. On va chercher un commandant de niche cette fois en plaçant Shajar en second sur ce test. On a Azurbanipal avec notre ami Shajar en second, Nevsky avec Jeanne d'Arc, toujours 210 000 des deux côtés. Et regardez, moins 258 000 de puissance perdue du côté de Nevsky, moins 309 000 du côté de Shajar Azurbanipal. En termes de troupes sévèrement blessées, 25 000 d'un côté, 30 000 de l'autre. Je vous fais sauter les arrondis puisqu'on est sur 800 des deux côtés. Ça fait un écart qui cette fois est minime, 2,5%, un tout petit peu moins de 2,5%. Mais quand même, ça fait la différence. On le voit, hein, les écarts restent très faibles. Alors oui, si on augmente le nombre de troupes, hein, si on est sur un rallye, s'il y a du renforcement, etc., les écarts seront beaucoup plus grands. Mais là, on est dans une situation d'open field très neutre, à stuff équivalent, pour vraiment juger la puissance intrinsèque du nouveau commandant. Alors dans d'autres situations, hein, ça serait différent. Mais là, en tout cas, c'est extrêmement fiable. On inverse Shajar avec Azurbanipal, cette fois c'est Azur qui est en second, Alexandre Nevsky Jeanne d'Arc, oui c'est une bonne référence, hein, Nevsky Jeanne d'Arc, et cette fois c'est l'inverse mais avec un écart plus faible, hein, inférieur à 2%, 262 000 de puissance perdue du côté de Nevsky, 240 000 on peut arrondir du côté de Shajar, et en termes de nombre sévèrement blessé, on a 26 000 d'un côté, quasiment 24 000 de l'autre. Franchement, très très serré tous ces rapports. Je suis étonné. Sur le papier, Shajar, c'est une dinguerie tout de même avec ses skills. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle roule sur tout le monde. Je m'interroge. Alors, j'ai pas regardé encore assez de rapports puisque je n'ai regardé que ceux que je vous partage là. Mais je m'interroge tout de même s'il n'y a pas un écart entre les skills écrits et la réalité sur l'open field, si elle n'a pas eu un petit nerf silencieux. En tout cas, je suis vraiment, vraiment perplexe par rapport à ses résultats sur ses rapports. On va en attendre d'autres. On continue, Nevsky Jeanne d'Arc, cette fois face à l'ancienne de ouf, Shajar Ramsès II. Alors là, on l'a sorti d'outre-tombe. Alors, il est moins ancien que YSG, hein, mais Ramsès II, vraiment à l'ancienne. Quand il est sorti, c'était un archer énormissime, hein. C'était un must-have dans bien des events sur l'open field, partout il fallait avoir Ramsès
2, eh bien là, on le sort d'Outre-Tombe et moins 271 000 du côté de Nevsky, moins 266 000 du côté de Chajar. Il gagne notre ami Ramsès II, mais c'est extrêmement serré. 27 100 en troupes sévèrement blessées, 26 600 de l'autre. Il y a 500 troupes d'écart, autant vous dire, il y a que dalle, hein, donc franchement, c'est même pas 1%, c'est 0,2% de différence, c'est vraiment extrêmement faible. Là, encore une fois, hein, ce rapport pour moi n'est pas d'une fiabilité extrême. Si on le rejoue en boucle, hein, il est possible que Nevsky gagne plusieurs fois, tout comme Chajar pourrait gagner. Avant dernier rapport, les amis, cette fois avec Sirius le Grand. Chajar avec Sirius, c'est un combo qui fonctionne, mais de très très peu. Regardez, là c'est intéressant, on a 210 000 unités de chaque côté. On a moins 237 000 de puissance du côté de Nevsky, 258 000 du côté de Chajar. Et pourtant, la défaite est du côté de Nevsky parce qu'on a du heal, on a 20 900 en heal. Mais en termes de troupes sévèrement blessées et en termes de puissance perdue, hein, c'est Chajar qui a perdu le plus. Alors oui, dans une situation d'open field, ça va marcher. Vous allez gagner en 1-1, mais vous allez quand même prendre cher en soins par derrière parce que vous allez avoir plus de troupes à blesser. C'est comme les mecs qui nous sortaient des Richard et des Martel en défense. Et ils allaient prendre ultra cher lorsqu'ils perdaient avec les troupes qui allaient être soignées. C'était une technique pour gagner, mais c'est une technique qui coûte extrêmement cher en soins à tout le monde, donc faites bien attention à ça. On finit les amis avec un dernier rapport, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir Herman avec Chajar. Et bien vous le voyez, toujours Nevsky, Johan, les conditions sont exactement les mêmes que pour tous les autres rapports. 210 000 troupes de chaque côté, des troupes sévèrement blessées à hauteur de 28 798 du côté de Nevsky, 28 460 du côté d'Herman, moins 288 000 de puissance du côté de Nevsky perdu, moins 284 600 du côté d'Herman. Et là, vous le voyez, on a 73 000 de soins, ce qui montre 73 000 troupes de soignés, ce qui montre que le combat a duré plutôt longtemps. Mais en termes de puissance, hein, Herman reste à avoir un tout petit peu moins perdu. Il a gagné évidemment à la fin, c'était très tendu. Les troupes restantes, c'est 59 000, hein, donc ça a bien été utile de soigner, mais il va payer ça en soins tout de même. Intéressant tous ces rapports les amis, je vous en partagerai d'autres, j'espère que ça vous permet de vous donner un premier avis sur Chajar et sur CY. Alors CY c'est plus compliqué, mais Chajar je reste très perplexe, je ne vous conseille pas à ce stade de foncer pour la montée, je vous invite à la débloquer mais pas l'expertiser tout de suite. N'hésitez pas encore une fois à me donner en commentaire votre avis sur ce commandant les amis, si vous avez un avis différent ou des compléments à apporter, c'est toujours très intéressant, on va venir échanger sur le Discord. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.